восстановлению кровообращения, да, Елена? Елена, vous m'avez écrit que vous avez fait effectuer un contrôle pour rétablir pour une question de circulation sanguine. J'ai pas tout entendu. Est-ce que c'est bien ça? Non. Non, кровообращение. Где вы читали это, Евгения? Сейчас я... восстановить дёсны. Вот, тут переводчик Google такой. восстановить дёсны. Дёсны? Что это? Дёсны – это вот где зубы, зубы в дёсна. Gencive. La gencive. Voilà, et puis la, 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 la résurrection de mon père, et puis aussi une plante, une glycine, enfin voilà, j'ai fait différentes choses. Une plante? Oui, une glycine, pour qu'elle me fasse des fleurs, parce qu'elle n'est pas très en forme, voilà. Mais c'est différent contrôle, hein, voilà, c'est pas vraiment les autres. Bah oui, j'imagine. Значит, я делала, да, на самом деле, разные упражнения про растения, глицинию мои, про воскрешение моего отца тоже. Вот подскажите про управление, кстати, вот по результат по дёснам у вас есть улучшение? Alors, D'accord. Donc, dites-nous, est-ce que vous avez constaté une amélioration donc, au niveau des gencives? C'est ça, gencives? Alors, au niveau des gencives, je continue. Visuellement, je ne vois pas d'amélioration, mais je travaille régulièrement. J'imagine qu'il faut le faire pendant un certain temps avant d'avoir une matérialisation concrète, enfin, à mon niveau. Mais par exemple cette nuit, je me suis endormie, enfin hier soir, je me suis endormie en me projetant dans cet horizon et en imaginant en fait que vraiment la matière d'éternité venait partout dans mon corps, mais notamment au niveau des gencives. Et je me suis endormie en fait avec cette idée. Alors est-ce que je suis restée un certain temps avec ce ressenti? Est-ce que ça a duré ou pas? Ça je sais pas. Mais disons, j'essaye véritablement de faire l'effort de rester dans cette perception. Et ça fait un peu, à certains moments, quand j'insiste un peu, ça fait un peu presque comme un petit gonflement. C'est énergétique, hein, c'est pas visuel. Mais donc, je me dis que ça travaille, même si la manifestation n'est pas là encore. Mais je pense que moi, personnellement, j'ai peut-être besoin de beaucoup travailler pour voir физиquement la manifestation avec mes yeux peut-être, je sais pas. Значит, я продолжаю работать над этим. Я не вижу, конечно, визуального улучшения, но думаю, что на моем уровне нужно это делать какое-то время, чтобы это стало ощутимым. Вчера вечером я заснула, проецируя себя в этот горизонт и визуализируя, как материя вечности входит в мое тело на уровне десны. И заснула с этой идеей в голове, как могу, я пробую оставаться в этом восприятии. И когда я настаиваю, чувствую энергетический подъем. Чувствую, что это работает энергетически. Даже если физического проявления еще нет пока. У Григория Петровича в научных трудах есть формулы и есть описана энергия будущего. Когда мы в эту область выходим, мы имеем энергию для восстановления здоровья, для омоложения, для управления событиями. Причем имеем бесконечное количество энергии. Григорий Рабовой, il y a une formulation, il parle vraiment dans ses livres de l'énergie du futur. Il dit que quand on se place dans cet espace, on ressent, on se connecte plutôt, pardon, à cette énergie qui permet le rajeunissement, la régénération. Et вот эта даже формула описана, это энергия. Et il donne également cette formule, donc cette séquence numérique qui décrit cette énergie.
Когда вы выходите в эту область, где все бесконечно счастливы, где решены все вопросы, начинаете здесь думать, а здесь думать — это значит управлять, но это же из той области, где уже для всех, то мы имеем с вами источник энергии для обеспечения вечной жизни сразу всем. Lorsque vous parvenez dans cet espace de contrôle où vous vous mettez à penser, et penser, cela signifie contrôler, vous accédez à une source d'énergie qui bénéficie à tout le monde. Vous êtes en train d'effectuer un contrôle pour le bien-être de tout le monde. Я этот ряд не давала из книги «Числа для успешного бизнеса». Не давала, да, Степани? Не помнишь? Камила. Алло? Слышно сейчас? Да, извини, Вот так бывает, такой поток, когда сильный интернет не выдерживает. Нормально. Étonnamment, j'ai plein de problèmes de connexion aujourd'hui. Et donc, Evgenia dit, parfois, quand on est dans un flux énergétique important, ça détraque Internet. Très bizarre. Итак, мы с вами выходим в ту область, где энергия достаточная для обеспечения вечной жизни сразу всем. Donc, on pénètre avec vous dans ce champ où on trouve assez d'énergie pour pouvoir assurer la vie éternelle à tous immédiatement. Et у Григория Петровича в книге «Числа для успешного бизнеса» это описано числовым рядом. Et d'ailleurs, dans son livre «Les séquences numériques, les chiffres pour réussir dans les affaires », Grégory Grabovoy a une description numérique de cette formule. И поэтому Григорий Петрович говорит, в течение дня вы занимаетесь какими-то делами, неважно, проговаривайте просто мысленно этот ряд, и вы имеете омоложение. Рабовой nous dit, au cours de votre journée, vous êtes accaparé par vos différentes activités, c'est pas grave, vous pouvez juste prononcer mentalement cette séquence numérique et vous obtenez un effet de rajeunissement. Immédiat. И нам понятно, как это работает, потому что мы прикоснулись к этому источнику, где вот уже для всех решены вопросы. И у человека однозначное будущее. Он своим личным действием реализовал всеобщее воскрешение, обеспечил вечную жизнь всем. Это однозначное будущее, другого будущего у нас нет. У нас тут достаточно знаний, энергии, чтобы спасти сразу всех. Et on sait comment ça fonctionne, c'est parce que cette séquence numérique nous connecte directement à cet espace dont nous sommes en train de parler, cet espace où tout est déjà réalisé, cet espace où vous avez réglé vos questions personnelles, où vous accomplissez votre objectif de vie, où vous êtes heureux pour l'éternité. Хорошо. Теперь, Елена, поделись, пожалуйста, по воскрешению. Elena, maintenant parlez-nous s'il vous plaît de votre travail sur la résurrection. J'ai pas fait grand-chose en fait, je me suis donc mise dans cet horizon et j'ai aussi imaginé ou demandé en fait à mon père de d'être là. Je l'ai vu heureux, souriant. Jeune, et puis je lui ai transmis l'information qu'il n'était plus nécessaire de mourir pour être heureux, il pouvait vivre éternellement, et puis en bonne santé, sans souffrir et autres, et que en fait, eh bien, je lui transmettais l'information, après il est libre de faire ou pas. Je lui ai proposé, est-ce que tu veux peut-être traduire déjà? Pardon. Значит, я поместила себя в этот горизонт, где я представляла, я просила отца быть там со мной. Я видела, что он был счастливым, улыбающимся, молодым, с
сказала ему, что умирать больше не нужно, что мы можем жить вечно, не умирая и не страдая. Но он свободен, у него свобода выбора, конечно. Et puis, je lui ai dit que chaque fois que quelqu'un meurt, ça déforme la Terre, en fait, et que notre travail maintenant, puisqu'il y a l'urgence, notre travail, c'est de, justement de ressusciter, d'être en bonne santé pour l'éternité, pour faire en sorte que la Terre ne se déforme pas, mais au contraire, que toute l'humanité soit garante, en fait, aussi de l'éternité, de la bonne santé de tous, ben, tu peux continuer à traduire, s'il te plaît. Значит, я сказала ему, что каждый раз, когда кто-то умирает, это искажает как бы землю, и что сейчас необходимо срочно воскресать, чтобы быть добрым и быть в хорошем здоровье для вечности, потому что все человечество несет ответственность за здоровье каждого человека и всей земли. Et aussi parce qu'on a tous quelque part une responsabilité en fait justement à travailler pour le bien de tous quoi en fait et puis donc ça c'est une chose et puis que je lui proposais en fait d'avoir un contact après il est libre ou pas et je lui ai proposé un endroit en ville un endroit un peu discret où il pourrait quand il sera prêt, peut-être à se matérialiser. Voilà. Mais je lui ai proposé un contact. Après, je ne sais pas si ça se fera ou pas. Mais voilà, vas-y. Et потом я предложила ему связаться со мной в неприметном месте в городе, где он сможет материализироваться, когда будет готов. Mais quand je pense à cet endroit, c'est un passage entre deux immeubles assez discret, on va dire. Il y a du passage, mais c'est quand même assez discret. Et je le vois sous un escalier, debout. Mais alors, je pense que c'est lui, j'imagine. Je le vois de dos, un peu comme une silhouette de dos. Et il ne se retourne pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas encore le moment ou parce qu'il y a une raison particulière que je ne connais pas ou peut-être parce que moi, je ne suis pas prête, hein, parce que ça, c'est possible aussi. Enfin, voilà, donc je suis là et puis je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois en penser et j'imagine qu'il faut que je travaille davantage aussi, voilà. Когда я думаю об этом месте, это достаточно незаметный проход между двумя зданиями, а я вижу его под лестницей и представляю, что это он. Вижу его со спины, как силуэт. Он не оборачивается. Я не знаю, почему. Может быть, потому что это не время, или может быть, потому что я еще не готова. Знаю, что мне надо еще работать над этим. Вот, а сейчас посмотрите, он поворачивается к вам, вот это воспринимаете? И maintenant, est-ce que vous ressentez qu'il se tourne vers vous? Est-ce que vous le percevez? Oui. Да, я это воспринимаю. И такой от него к вам свет идет, такая любовь. Et vous percevez de sa part une telle lumière d'amour? И вы засвечиваете сферу любви в районе желудка. Желудка? Да, желудка. Тень и желудок. Et vous illuminez une sphère d'amour au niveau de l'estomac. Вашего желудка или ее? Ее. Au niveau de votre estomac. Vous sentez grossir une sphère d'amour. И вы стараетесь жить, вот это ваша любовь, как к Богу, к миру. И вы стараетесь жить и все время видеть вот сияние этой сферы.
Donc, cette sphère représente votre amour pour Dieu, pour l'humanité, pour votre Père. Essayez de vivre en permanence avec la conscience de cette sphère. Et вот, ну, эта любовь, это как маяк, ему видно, куда идти, кому идти. Cet amour, c'est en fait comme un phare. Il vous indique où aller. Вы просто живете для Бога. Бог как видит всех, как Он создал, для Него понятия смерти не существует. Бог видит, как Он создал человека, вечно живущего, бесконечно счастливого. И вы выходите тоже на это восприятие. Вы видите, что Он счастливый, молодой, и вы просто Его любите. Вам не важно, где Он, вы просто вам хорошо от того, что Он живой. Vous vous mettez à adopter le mode de perception de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous perçoit tous comme étant vivant, en bonne santé, rayonnant pour l'éternité. Donc c'est ainsi que vous vous mettez également à percevoir votre Père comme chacun, comme toute personne, comme étant vivant, heureux, peu importe où il se trouve. Вот в контексте нашей лекции, да, вы не можете думать, что человека нет, правда? Вы должны сразу быть там, где человек есть. Dans le contexte de notre leçon, peut-être que vous avez pensé dans un premier temps, vous vous êtes basé sur le fait que cette personne n'existe plus. En fait, vous devez adopter le mode de pensée où cette personne existe toujours. Если не верить, да, что человек живой, здоровый, что с ним все хорошо, и ему некуда прийти. Когда люди думают, да, что верят в то, что человека нет, они ему некуда прийти, он не может через это пройти. А куда ему прийти, если его никто не воспринимает, его все равно никто, ну, как бы не видит, да? Donc, quand on pense que la personne n'existe plus, elle ne peut pas se manifester, elle n'a pas d'espace où apparaître. Я не именно поняла, Евгения, это предложение, извини. J'ai pas tout à fait compris, donc je demande à Евгения de répéter. А какое, какое что? Повторить, что... А, да. Вот если, сейчас смотри, если мы, да, не верим, что человек живой. Вот не видим, да? Si nous ne croyons pas que la personne est vivante, ему некуда прийти. А куда он придет, если никто его не ждет, никто не верит? Il ne peut pas venir, il ne peut pas apparaître, puisque où pourrait-il aller si personne ne l'attend, si personne ne croit qu'il est vivant? Значит, мы выявляем сферу любви в районе солнечного сплетения. Donc, si vous manifestez cette sphère lumineuse, cette sphère d'amour au niveau du plexus solaire, любовь к живому, счастливому, ну, бесконечно, мы же кого любим? Человека живого, всё, вот свою любовь к живому человеку, естественно, мы живём с этим сиянием. Donc, éprouvez ce rayonnement qui est en fait un... qui se caractérise par l'amour que vous éprouvez envers cette personne vivante. Мы живём счастьем от того, что человек есть, что он здоровый, счастливый, воспринимаем его так же, как Бог воспринимает. En fait, vous êtes dans la perception heureuse de l'existence et de la bonne santé de cette personne. Vous percevez cette personne comme Dieu. Vous vous réjouissez du fait qu'elle existe et qu'elle va bien. И вот этим своим состоянием, да, которое соотносимо с этим состоянием вечности, да, мы и раскрываем это пространство, куда воскрешенный вообще может прийти. Он вообще видит маяк, куда ему идти. И c'est grâce à cet état de perception qui est lié au champ de l'éternité heureuse auquel on se connecte, c'est grâce à cela que la personne partie peut savoir où aller, elle peut voir ce phare, c'est comme si vous lui déployez, vous ouvrez cet espace pour qu'il puisse arriver. Et il se met donc à se mouvoir parmi les vivants. Вот, ну, смотрите, как интересно.
Опять негативное мышление при воскрешении нельзя допускать. Только мы знаем, человек живой, счастливый, с ним все в порядке. Если какие-то вспоминания к нам приходят, это значит, нам нужно помочь человеку преобразовать эту информацию. Но мы знаем технологию, мы выходим туда, где решено, и просвечиваем прошлое. Oui, encore une fois, c'est pour vous rappeler la règle fondamentale, que dans l'éternité, on ne doit permettre aucune information négative, donc de manque, de tristesse, de vous parvenir. Il faut les devancer. Si jamais des problèmes, des choses à régler vous parviennent, cela signifie que vous devez aider la personne disparue à les régler, et nous savons comment le faire. Nous avons appris comment procéder, comment le faire. Il suffit, et vous devez vous placer dans cet espace, dans l'espace de l'éternité, où tous les problèmes sont également réglés pour la personne.